Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Devil May Cry sur PC. Ici, c'est Zonchi 44 et on va commencer la 7e mission, renversement. Nous avons fini pas mal de missions, tous en rang S ou bien double S. Ça reflète un petit peu la bonne progression. Puis voilà, toujours on va se diriger vers le magasin, faire quelques améliorations. Et cette fois-ci, il me semble bien que nous avons obtenu une nouvelle arme, l'Erix. Pour le moment, je vais pas utiliser parce que ça ne fait pas partie de mes armes favoris. Donc, je vais essayer d'augmenter le niveau des autres compétences en deux chocs suprêmes, peut-être. Je vais prendre une en deux chocs suprêmes niveau 2. Non. Voyons voir, nuée de coups niveau 2. Vous savez quoi, j'ai ôté ça et je vais les garder pour après. Je pense bien que j'ai une petite idée. Allez, on va commencer la mission renversement. J'espère que vous allez très bien. Et maintenant, il me semble bien que puisque nous avons éliminé l'ingrédient l'ingrédient secret, c'est-à-dire la succube dans le dernier épisode. On te retrouve là-bas. À tout à l'heure, Virgile. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous êtes proches? C'est important. C'est juste que j'aime savoir avec qui je risque ma vie. Lui, c'est mon frère et il veut sauver le monde. Et toi, dans tout ça? Écoute, je t'ai jamais demandé de l'aide, mais tu m'as tiré d'affaire et je te remercie. On se fait confiance. Tu peux m'en parler si tu veux. Il m'a sauvé. J'étais en famille d'accueil. Mon père adoptif était un démon. Il m'agressait presque toutes les nuits. Fallait que je parte. Des cauchemars. Rassure-toi. Je sentais rien. Je pouvais pas m'échapper physiquement, alors j'ai trouvé un autre moyen. Je me réfugiais dans les larmes sous forme d'esprit. Et j'ai trouvé Virgile. Il a entendu mon appel à l'aide. Il m'a aidé à affronter les démons, au propre comme au figuré. J'ai réussi. J'ai tué cet enfoiré. Je veux m'occuper des autres. Tu restes avec nous jusqu'au bout? Compte sur moi. On apprend pas mal de choses sur elle. Elle était adoptive par un démon qui l'agressait quand elle était jeune. Puis voilà. Beau travail. T'es occupé de la succube. Ça a dû attirer l'attention de Mundus. On n'a plus qu'à porter le second coup et désactiver son réseau de surveillance. La tour Raptor News. Tout est contrôlé par Mundus. Il a le monopole sur tous les médias du monde. Info, publicité, divertissement. Manipulation. Oui. Et surveillance. Ils espionnent la population grâce à leur réseau de satellites, les routeurs et la télésurveillance. Ouais, j'avais remarqué. C'est quoi le plan? Kat? Raptor News Network est géré par un démon. Il s'appelle Bob Barbas. Barbas est un démon? Alors, c'est pas juste une grosse enflure. Et il est dans cette tour. Pas cette tour. Celle-là. Hein? Dans les limbes, ce n'est pas un reflet. C'est la réalité. C'est une prison que Barbas gouverne cruellement. Pas de pitié, pas d'évasion possible. Prépare le portail. Tu seras seul cette fois. Kat ne peut pas y aller. Je me débrouillerai. Elle en a assez fait. Au moins, il n'y aura pas de caméra. Bien. Dante. On sait pas grand-chose sur ce démon. Je parie qu'il sera charmant. Toujours de l'humour avec Dante. Toujours de l'humour. Et hop, la descente vers les limbes.
Ouh, ça doit faire mal. Eh ben, Bob, je comprends d'où vient ta vision du monde tordu. Puis voilà, nous sommes dans les limbes. Il faut maintenant continuer. Allez, encore une fois, des séances de plateforme. Allez, on va équiper. Ok, attendez. Attendez. Voilà. J'ai un petit peu de difficulté là. Voilà. C'est bon. À un moment donné, j'ai cru que je savais pas comment manipuler. Attendez. Allez, et on descend. C'est pas difficile que ça. Allez. Et hop là. Rien de difficile. Excellent. Trop bien que jusqu'à maintenant, le jeu offre une diversité assez époustouflante. Et j'adore énormément. Voilà, et on détruit tout ce qui est susceptible à être... Voilà, allez. Viens pas là. Excellent. On peut charger les coups en plus. Excellent. Et voilà. Et hop là. J'adore. Excellent. Quel coup de fin. J'adore. Je sens bien que je vais commencer à aimer cette arme. Malgré que j'ai dit que cette arme ne fait pas partie de mes armes favorites parce qu'elle est un petit peu... comment dire... pas facile à gérer. Mais faut avouer qu'elle est assez puissante. Ça, faut pas nier. Allez. Et on va charger. Ouh, attention. Et on va charger les coups. Et on descend en enfer. Wow, ok. Et encore un coup. Voilà, j'adore. J'adore énormément. On dirait bien qu'il est coincé. Mange ça, voilà. Allez. Wow, ok. Et on descend. Et un coup, ouh, raté. Et on charge le coup. Voilà. Oh, attention, le tyran arrive. Attention, voyons voir, propulseur de tyran. On va l'essayer. On va essayer de faire le propulseur. Ouh, raté. Attention. Bon, on va oublier cette idée. Attention. On va essayer de l'éliminer de la manière la plus adéquate. Oh.
Ouh, ça fait très mal. Ok, j'arrête, mes conneries. Je vais retourner sur la hache parce que je préfère ça. Allez. Excellent. Malgré que je parle pas trop. Voilà. Attendez, j'ai un petit peu le son qui fait des tours. Attention. Voilà, c'est bon. Allez. On va détruire cette porte et on va continuer notre chemin. J'espère que j'ai rien laissé derrière. Je trouve que c'est un petit peu les débuts que je trouve que c'est regrettant que je commence un petit peu froid là. Mais pardon. Mais je vais m'habituer peu à peu. Parce que sincèrement avec les RX, les gants, je suis pas vraiment très habitué à. Voilà, allez. Peut-être, qui sait, on va s'y habituer bientôt. Voilà, faut y aller par là. Et hop, on se fait une petite plateforme. Attention de ne pas tomber. Voilà. Voilà, c'est bon. Jusqu'à maintenant, on fait une bonne progression. Attention de ne pas tomber. On va mettre les choses au point. Allez, on va détruire le mur. Vous avez commis des crimes contre le Saint-Ordre démoniaque. Au service du Seigneur. Ok, le vol céleste. Vers un anneau d'accélération. Ok, je vois. J'ai pris pas mal de coups. Ouh. Ça c'est nouveau. Excellent. On remonte un petit peu les plateformes. Je trouve que les décors ici, l'univers est un petit peu. Attention. Voilà, ils sont éliminés. Faut faire gaffe avec eux. Parce qu'il faut pas vraiment rigoler avec eux. Attention. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Je trouve bien qu'il y aura pas mal de secrets à débloquer. Bon, pour le moment, je vais retourner. Il me semble bien que j'ai laissé quelque chose d'intéressant là-bas. Regardez-moi, il y a une plateforme. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une arme quelque part. Attention. Est-ce qu'on peut atteindre là-bas? Ah, j'avais raison. Il y a une porte ici encore. Donc voilà, un des portes secrets qu'il faut revenir plus tard. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu que quand j'aurai toutes les armes nécessaires, je vais refaire hors de l'enregistrement tous les niveaux afin de d'obtenir tous les secrets possibles. Voilà. On peut continuer par là. Ah bah tiens. Grande étoile vitale. Tu parles de surprise. Voilà. Où peut-on y aller? On peut y aller là-bas. Voilà. À un moment donné, j'ai cru que j'allais tomber. Est-ce qu'on peut y aller là-bas? Hop. Une âme. Encore plus pour nous. Ça va bientôt faire une troisième amélioration pour nous. Voilà. La suite des niveaux, ça doit se passer par là, il me semble bien. Ouh.
comme une missile dans les cieux. Quoi que ce soit, ça ferait mieux de dégager. Ok, j'adore bien l'univers ici, comment il est présenté, les âmes errantes et tout. Je trouve que c'est vachement bien. Et je vous assure. Je vais rester comme ça, je vais économiser les améliorations pour plus tard. Pauvres âmes. Pauvre nous! Ouh, attention! Allez! Attention, j'ai essayé d'esquiver mes sons. Voilà. Il y a un combo destructeur. Oh, attention. Oh, attention. Y a-t-il d'autres? Ouh. Et descend. Excellent. Et on va te détruire également. Oh, ok. Attention. Allez, et descends encore une fois, ça va être ta fête. Ah, excellent. Je trouve que je suis un petit peu nul aujourd'hui parce que sincèrement, c'est pas dans mes habitudes de prendre beaucoup de coups de la part des ennemis, mais je m'excuse. On ne peut pas toujours être performant. Allez, on va sortir d'ici. C'est quasi impossible de toujours donner le maximum de soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Mais le plus important, c'est... Vas-y, pas te perdre. De prendre du plaisir à jouer au jeu. Attention... Ouh, derrière nous. Un rageur. Descends. Allez. Excellent. J'essaie un petit peu de me familiariser avec les combos. Wow. Raté. Excellent. Faut faire gaffe parce que je commence sérieusement à prendre beaucoup de coups, beaucoup de dégâts pendant un temps assez peu et ça commence vraiment à devenir très inquiétant. Surtout que j'ai pas fait d'amélioration pour ma barre de vie et tout. Donc faut que je sois vraiment vraiment attentif à ce que je fais. Voilà, on descend par là. Il m'a semblé que j'avais entendu une âme et j'avais raison. C'était caché. Surtout que des fois, les secrets peuvent être cachés juste au bout du nez, à travers juste un mauvais déplacement de la caméra. Donc il faut faire attention. Je suis Bob Barbas et je suis votre rédemption. Cédez à la rédemption. Soumettez-vous. Tu parles. Tu n'es qu'un escroc géant. Ah,
J'avais raison de partir par ici, il y avait une autre âme cachée. Le but ici, c'est d'accumuler assez de points pour faire un maximum d'améliorations. Parce que plus vous faites d'améliorations, plus vous avez un très bon arsenal de techniques et d'armes. Il est mort? Ouais. Voilà. Ben maintenant on va y voir. Attention à ne pas tomber. Ça serait vraiment très bête de tomber. Ah voilà. La suite du chemin, ça doit se passer par là. Et j'aimerais toujours garder un œil là où je mets les pieds, parce que on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, surtout pour les secrets. Voyons voir. Oh, de là-bas. Voilà. On ramasse assez d'or rouge. Regarde-moi, j'ai 4500 or rouge. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a par là? Toute pensée illégale sera punie. Ouh, une âme. Voilà, nous avons libéré 4 âmes jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais retourner en arrière et prendre l'ascenseur. Il me semble bien que ce niveau va être un petit peu spécial. Attendez. Allez, on va descendre. Une descente, une pour nous. Non, je vais retourner. Il me semble bien que j'ai entendu une âme. Ah, voilà. Excellent. Allez. Ça va être la fête. Oh, ok. Attention. Raté. Attention. Excellent. C'est dommage que je prends des coups souvent maintenant. Parce que je peux faire de mon mieux. Je sais que je peux faire mieux, mais bon. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas mon jour de chance. Qui sait? Voyons voir une autre âme. Ça fait 5 âmes, il me semble bien. Voyons voir, nous avons 3 améliorations. Allez, on va en prendre une esquive démoniaque. Un pont. Puis je vais revenir sur l'Erix. Je vais prendre l'assaut. Et comment dire, l'écrasement. Et du serpent. Non. Charge d'Erix. Voilà, je vais la prendre. Allez. Quand on continue avec le niveau. Il me semble bien que nous sommes arrivés. En route pour la tour. Waouh. Eh ben, dis donc, plus de route. Génial. Tiens, 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 qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe ici?
Attention à ne pas tomber. J'adore le son ici. Une harpie. Un nouveau type d'ennemi. Raté. Un combo destructeur pour toi. Voilà, c'est pour cela que j'aime bien le rébellion. Qui est là? Je sens qu'il y a quelqu'un. Répondez, ou je vous décapite. Posez votre canne. Je vais pas vous faire de mal. Sauf si vous m'y forcez. Vous êtes un prisonnier de Mundus? Non. Je viens d'en haut. Wow. Vous pouvez me dire comment atteindre la tour? La tour? Pourquoi? Parce que je veux tuer le démon qui fait la loi. Vous pouvez m'aider? Elle le tue. Oui. Je peux vous aider. Si vous m'aidez d'abord. Je vous écoute, il me semble bien que la prochaine mission, ça sera pour aider le vieillard. Donc point de style double S, le temps un S. Je pense bien que nous avons fait assez bien. Ouh, un achèvement. Assez bien. On obtient un rang S. Et nous avons obtenu encore une fois deux améliorations qui vont nous servir plus tard. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain. On va débuter la prochaine mission, c'est-à-dire la 8e. Et sur cela, je vais vous dire au revoir et à bientôt dans le prochain épisode. Portez-vous bien!